Eh bien, bonjour à vous. Le relief de la course est plat. Le peloton risque de rouler vite. Oui, il est parti, on va voir ce qu'il peut faire. Accrochage dans le peloton. Il est sorti du peloton comme une balle. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Il est parti, tout seul. L'écart augmente, plus de 2 minutes. Chute d'un coureur dans le peloton. Heureusement qu'un autre n'a été touché. Attention, un leader est décroché. Le rythme imposé est vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir.
Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Plus d'une minute d'écart, l'échappée fait son chemin. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Les coureurs ont ralenti le tempo. Il va se passer quelque chose. Encore 10 km à parcourir. Une chute vient de se produire dans le peloton et plusieurs coureurs sont à terre. Les visages se crispent à l'arrière du peloton. On ne compte plus les lâcher. Les coureurs arrivent dans les 8 derniers kilomètres de l'étape qui va sans doute se terminer par un sprint massif.
Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Ça y est, le sprint est lancé. Il est allé puiser au plus profond de lui-même pour décrocher la victoire. Les retardataires finissent au mental. L'étape a mis les organismes à genoux. Voici maintenant les meilleurs moments de la course. Bonjour et bienvenue. Avis aux rouleurs et aux sprinteurs, c'est une course destinée pour les costauds. Les coureurs vont souffrir aujourd'hui, la pluie paraît incessante. Attaque, oh, ça paraît un peu audacieux comme tactique. Voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Nouvelle attaque dans le groupe de tête.
On annonce la chute d'un coureur. Le rythme imposé est vraiment très fort. On ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir. Un coureur a chuté, il ne se relève pas. Apparemment, il va être contraint à l'abandon. Un coureur vient de percer. Espérons qu'il sera rapidement dépanné. Plusieurs coureurs sont en train de sortir du peloton. Attention, regardez, il est en train de partir! Crevaison. Le coureur va devoir faire un effort pour rentrer dans le peloton. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Chute d'un coureur. Une chute vient de se produire dans le peloton et plusieurs coureurs sont à terre. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme.
Moins de 20 km, un peu plus d'une minute d'avance, l'échappée va devoir batailler pour éviter le retour du peloton. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. Arnaud Démare vient de chuter. Oula, ceux qui mènent le train ne vont pas se faire que des amis. Là, mais quelle chute spectaculaire! Encore 10 km à parcourir. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Chute du leader! Les plans de l'équipe vont être chamboulés! Ça y est, le sprint est lancé. Victoire sur le fil. Il a parfaitement bien géré sa course. Voici maintenant les meilleurs moments.